Les frères me signalent que le pasteur Joseph Ngando est déjà dans l'enceinte du temple. Et acclamons le Seigneur et louons-le de tout cœur. Oui, proclamons sa victoire, il règne l'éternel de gloire. Toi, il règne l'éternel de gloire.
qui jeûne, alléluia. Et notre leader est là. Alléluia. Vous savez ce qu'on fait en de pareilles circonstances. Nous n'allons pas permettre à nos dirigeants de rentrer avec les cravates, les vestes et les costumes secs. Alléluia. Amen. On va faire notre balai pour montrer à notre leader que nous sommes dans la vision. Alléluia. Amen. Le monde est à Jésus. Et sous les pieds de notre maître, nous allons déposer la Côte. 1, 2, 3, 4. Le monde à Jésus. 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 Le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus. Nous irons partout le monde entier, enflammés du Saint-Esprit. Nos talents dans les trésors seront tous investis. C'est fini la poursuite du vent. Dans ton armée, fais plus état d'âme au cœur de nos vies. Que partout dans le monde, il n'y a de personne connaisse Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. On lui donne une obéissance totale en toutes choses. D'ici 2060, nous devons conquérir. Le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus. Nous irons partout le monde entier, enflammés du Saint-Esprit. Nos talents dans les trésors seront tous investis. C'est fini la poursuite du vent. Seront tous ces
Alléluia! Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia! Dans cette même position, proclamons le règne de Jésus. En Côte d'Ivoire, le règne de Jésus dans le monde, le règne de Jésus dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Prie ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Mon cœur est rempli de joie et de reconnaissance au Seigneur. Frères bien-aimés, comme prévu, depuis ce matin, aux environs de 10h35, non, 10h41, le Seigneur a permis que notre frère Joseph Ngande soit parmi nous. C'est un honneur, c'est un grand privilège pour nous, la jeunesse de l'Église de Côte d'Ivoire, de le recevoir au milieu de nous. Alléluia. Il est là. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 16, par la grâce du Seigneur, 16 avril. Le pasteur Joseph Ngande est l'un des ministres assistants de notre leader mondial, Théodore Ndossé. Il est l'un de ses aides et il est aussi le leader des jeunes et étudiants de notre œuvre dans le monde. Il est venu nous rencontrer. Il est venu te rencontrer. Sans transition, j'invite ici le serviteur de Dieu, le pasteur Ngande Joseph. Alléluia! Alléluia! Seigneur Jésus, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Et tant que tu es sur le trône, t'accomplirai tes desseins. Tu as le pouvoir qu'il faut pour me soutenir jusqu'au bout. Honneur, louange, gloire et acclamation soit à celui qui règne éternellement. Rabarakata,
Il y a quelqu'un là qui a parlé de la part de l'Éternel. Je vous donne l'autorité. Je vous donne la puissance. C'est exactement les deux mots que le Seigneur a utilisés pour me parler cet après-midi. Et il confirme qu'il est ici. Et il confirme qu'il est ici. Et il proclame qu'il nous donne l'autorité. Il nous donne la puissance. L'Éternel nous donne l'autorité. Il nous donne la puissance. L'Éternel nous donne l'autorité. Il nous donne la puissance. Jeunesse de la CMCI d'Abidjan, l'Éternel te donne l'autorité, l'Éternel te donne la puissance. Jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, l'Éternel te donne l'autorité, l'Éternel te donne la puissance. Que cette personne vienne élever leur voix. Que cette personne vienne élever leur voix. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Parce que tu es descendu jusqu'à nous. Et tu nous as investis de ton autorité. Et de ta puissance, Seigneur. Pour aller gagner les âmes. Pour les bâtir. Pour implanter les assemblées. Pour remplir la nation des disciples. Seigneur, pour atteindre le but. Nous t'exaltons, nous te magnifions, parce que nous comprenons, Seigneur, que nous sommes dans le succès avec toi, Seigneur. Nous sommes équipés pour réussir, pour aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Que ton nom soit célébré et exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, c'est à toi qu'appartiennent la puissance et l'autorité. Il t'a plu ces jours, Seigneur, de nous investir de ton autorité, de nous investir de ta puissance, afin que nous allions conquérir le monde pour toi, afin que nous allions gagner cette nation pour toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet équipement indispensable. C'est cela dont nous avions besoin ces jours. Tu nous le donnes, Seigneur. Père, nous recevons de toi l'autorité. Nous recevons de toi la puissance. Et nous irons avec cette autorité, cette puissance, pour accomplir le but. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit exalté de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que de ton trône de gloire et de ton trône de grâce, tu portes un regard favorable sur nous, Seigneur, pour nous investir de ton autorité et de ta puissance. Et tu fais grâce à qui tu fais grâce, Seigneur. Nous recevons cela venant de toi comme une mesure de grâce et des faveurs exceptionnelles que tu manifestes envers nous, Seigneur. Et nous crions à toi, Seigneur, afin que ces paroles par lesquelles tu dis que tu nous investis de l'autorité et de ta puissance, que ces paroles trouvent la foi dans nos cœurs. Donne-nous de nous saisir de ces paroles par la foi. Que le plus jeune parmi nous, le plus jeune parmi nous soit béni avec la capacité surnaturelle de croire ces paroles, de s'en saisir et de se lever, Seigneur, pour marcher à partir de cette parole.
Nous te bénissons pour ta visitation. Que l'exaltation et la louange te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, quel privilège. Quelle grâce. Nous n'avons pas mérité, Seigneur Jésus. Que tu viennes au milieu de nous, que tu sois avec nous. C'est que tu nous équipes pour ton œuvre. Merci, Seigneur, pour la puissance. Merci, Seigneur, pour l'autorité. Merci, Seigneur, de nous amener sur le terrain, Seigneur, de la conquête en nous équipant, Seigneur. Nous ne méritons point cela, Seigneur, mais tu as trouvé, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux et tu es venu nous bénir. Nous prions, Éternel, que cette bénédiction, Seigneur, soit saisie, Seigneur, par chaque jeune ici présent. Tu as fait que nous allions sur le terrain. Seigneur, tu as rempli d'autorité, de puissance, Seigneur, pour conquérir les âmes, pour implanter les assemblées et pour faire avancer ton œuvre. Oh, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour cette bénédiction. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce éternelle. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi l'exaltation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, tu es digne d'être craint. Tu es réel. Tu es vivant. Et tu agis encore puissamment au milieu de nous. Seigneur, merci de venir avec nous. Seigneur, merci de venir avec nous. Seigneur, merci de venir avec nous. Merci, Seigneur, de me rassurer d'entrée de jeu. Je m'incline devant ta grandeur et je magnifie ta puissance. Et Seigneur, j'entre dans cette autorité. J'entre dans cette puissance. Je me saisis de cette puissance pour opérer à un niveau spirituel différent. Et au nom de toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, nous nous saisissons, Seigneur, de cette main tendue. Nous nous saisissons, Seigneur, de cet équipement surnaturel, ton autorité, ta puissance, pour soumettre Abidjan à tes pieds, pour soumettre la Côte d'Ivoire à tes pieds. Nous nous saisissons, Seigneur, de ta main tendue. Nous nous saisissons, Seigneur, de ta main tendue. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai été très surpris. I was very surprised. D'entendre quelqu'un répéter exactement ces mots. To hear someone repeating the exact words. Pendant que nous étions en train de prier. While we were praying. Et immédiatement, j'ai su que l'Éternel est en train de parler. And immediately I knew that the Lord was speaking. Pourquoi? Why? Parce que ce matin, this morning, j'ai médité dans l'avion. I meditated in the plane. Et c'est exactement en ces termes que le Seigneur me parlait. And it was exactly in these terms that the Lord was speaking to me. Qu'il le répète. For him to repeat it as soon as I take the floor this evening. Je suis confiant. I am confident. L'Éternel est ici. That the Lord is here. L'Éternel est avec nous. The Lord is with us. Et il vient pour accomplir des merveilles. And he's coming to accomplish wonders. Et il accomplira des merveilles. And we accomplish wonders. S'il te plaît, levons-nous et acclamons encore la Please grandeur let us stand de and let's clap the glory of the Lord. Acclamons notre Dieu. Let us clap to the Lord. Acclamons notre Dieu. Let's clap for the Lord. Dis à quelqu'un, l'Éternel est au milieu de nous. Tell someone the Lord is in our midst. Et il parle encore aujourd'hui. And he speaks again today. Il parle clairement. He speaks clearly. Et il en donne les évidences. And he gives evidence. Notre Dieu, our God, c'est le vrai Dieu. Is the true God. Ce Dieu que nous invoquons, ce Dieu en qui nous croyons.
L'Éternel, c'est son nom. Notre Dieu est le vrai Dieu, ce Dieu. Ce Dieu en qui nous croyons, ce Dieu en qui nous croyons, il est l'Éternel, c'est son nom. Notre Dieu est le vrai Dieu, ce Dieu. Son nom, notre Dieu est le vrai Dieu. Élève ta main et dis, Seigneur, tu es Dieu. Lift your hands and say, Lord, you are God. Tu es notre Dieu. You are God. Et tu es le vrai Dieu. And you are the true God. Et tu es le vrai Dieu. And you are the true God. Je me prosterne devant ta grandeur. I bow down before your greatness. Et je proclame. And I proclaim. Que tu règnes. That you reign. Et que ton règne n'a pas de fin. And that your reign has no end. Tu dis. You live. Et la chose arrive. And you say and it comes to pass. Tu as dit ce soir. You have said tonight. Et c'est établi. And it's established. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour la puissance. For the power. Seigneur. Lord. Commence à soumettre ma propre personne. Get my person to submit. Commence à soumettre ma propre personne. Start by yielding my person. Commence à renverser tout ce qui s'oppose à toi en moi. Start by overthrowing everything that opposes you in me. Et donne-moi ainsi, Père, la bonne conscience. And give me the conscience. De renverser dans toutes les vies. To overthrow in every life. Tout ce qui s'oppose à toi. All that opposes you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Parmi nous, les missionnaires.